Bonsoir tout le monde. Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. Merci. Séance 17 novembre 2022, en 1, administration 1.1, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.2, l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2022. 1.3, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 3 novembre 2022. 1.4, rapport général de la mairesse. 1.5, le calendrier des séances ordinaires. 1.6, appui au développement des milieux ruraux des municipalités. 1.7, la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 1.8, l'épuration des archives municipales pour l'année 2015. 1.9, l'épuration des archives municipales pour l'année 2020. En 2, finances 2.1a, l'approbation des comptes à payer du mois d'octobre 2022. 2.1b, le certificat de disponibilité de crédit. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 30 septembre 2022. 2.3, l'approbation des prévisions budgétaires de la bibliothèque municipale. 2.4, la demande d'aide financière pour le comité des arts de Lac-Bouchette. 2.5, la liste des comptes à recevoir au 31 octobre 2022. 2.6, instruction vente pour non-paiement des taxes 2021. 2.7, brunch de reconnaissance. C'est marqué soirée, là, mais c'est le brunch pour les religieuses. Mais c'est pas une soirée, c'est un brunch. On l'a corrigé, nous autres. 2.8, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 des entreprises Rosario Martel Incorporée. 2.9, renouvellement à l'adhésion au regroupement loisirs espaces. 2.10, demande de commandite maison des jeunes. On va en 9, urbanisme et mise en valeur du territoire. 9.1, demande de dérogation minière numéro 2022-02-114, rue Bouchard. 9.2, demande au règlement PIA numéro 18-22, portant le numéro 2022-06, au 191, rue principale. En varia, vous allez rajouter varia 1, achat photocopieur. Douze, période de questions, 13, levée de l'Assemblée. Vous dites, secondé. C'est bon? C'est bon. 1.2, l'approbation du procès verbal de la séance du 17 octobre. On a fait l'adoption du programme qui restait sur la tête, là, de 200 000 pour réclamer. Il y avait des comptes à payer. Il n'y avait pas une grosse rencontre, là, non plus. Là. 113, on avait donné 50 $. Les fleurons, on avait participé pour 1287 pour 3 heures. L'autorisation Rosario Martel, ça avait été remis, là, on l'a passé ce mois-ci. L'ouverture des soumissions, les déneigements, barrage, Ville de la Vache, il a été signé vendredi passé pour le déneigement Ville de la Vache. Puis pour la municipalité, il va être signé mercredi. La fidélisation pour le chemin et le parc de l'avenir. Donc, on a fait la demande déneigement du chemin des biens, du chemin des patriotes, ça a été proposé aussi. L'électricité, lac, la pêche, le suivi. Envoyé au monsieur, il m'a dit bien reçu. OK, c'est beau. L'autre, c'est l'achat des pneus, de la niveleuse, c'était fait, c'est posé. Puis le budget d'appel des enfants, il avait été aussi autorisé 2 500. Il y a eu plusieurs secondaires. Non, c'est Ténorier que j'ai entendu. Non, pas du tout. Ah, t'as entendu ça, moi, j'ai pas entendu le bon là. Je suis rentré là. La liste de correspondance, est-ce que vous n'avez plus connaissance? C'était beau. C'est beau. Ben, c'est bon. Proposant? C'est beau. Secondaire? Envoie-le. Bon. Rapport général de la mairesse, je vais juste encore féliciter la Maison des jeunes avec tout son groupe de jeunes pour la fête de l'Halloween qu'ils ont faite encore cette année. Ça a été un succès, je pense. Ils ont eu beaucoup de monde le samedi soir et puis le lundi. Alors, ça vaut à peine, je pense, de les féliciter et de les remercier d'animer cette soirée-là pour les jeunes et pour toute la population en général, puis la population leur rend bien, je pense, en allant les visiter, puis
Puis il y a eu en fin de semaine aussi les arts, avec l'exposition des arts, qui a été aussi un succès. Alors, bravo pour le comité qui s'est remis en place et qui va refaire des activités. Je sais qu'à l'automne, au printemps, il va y avoir, cet hiver, des cours qui vont se donner, puis il va des, en attendant qu'il y ait des ménages, là, puis... Là, vous allez voir, nos employés municipaux vont être là, parce qu'on est en train de repeinturer cette salle-là. Elle n'avait même pas été peinturée quand on avait rentré là, nous autres, qui ont... Fait que là, ils sont en train de repeinturer ça, rafraîchir ce coin-là, puis après ça, les dernières vont pouvoir rentrer pour commencer les activités à faire. Ouais. Ça devrait être comme ça, à peu près. Fait que c'est beau pour ça. Calendrier des séances ordinaires, vous ne l'avez pas, de toute façon, on va vous la redonner. La première, elle ne sera pas un lundi, elle va être le jeudi 12 janvier. Parce que notre ami Vital nous quitte pour des vacances. Ouais. Puis si on la faisait le 16, il ne serait pas là. Fait que, on a pu le lundi d'avant, on va rentrer de vacances. Fait que elle va être le jeudi, la première, 12 janvier. Ouais. Puis après ça, les autres, de toute façon, on va avoir une publicité qui va passer hein, la prochaine. Quand il va y avoir un info municipal, on va les sortir. D'habitude, on n'a pas le choix. OK. Les autres, c'est les premiers lundis du mois, sauf celle du 3 juillet. On l'a mis le 10, puis dans le temps de la chasse, le lundi, le 11 septembre, parce que l'autre avant était vacances. Puis là, celle de la chasse, le 16 octobre, ça se peut qu'elle s'aille en fin de compte au début d'octobre, parce que là, on a su, ça se pourrait qu'ils retardent l'ouverture de la chasse. On fera une résolution. C'est Claude qui nous est arrivé avec ça. Fait qu'on les rechangera, là, s'il y a quelque chose. Dans le PV. Mais, fait que, moi, je vous dis, quand il va revoir notre prochaine info, vous allez avoir les dates des prochaines séances du conseil. Mais nous autres, on n'a pas le choix pour les adapter en séance. Ah, proposable. Propos secondaire. 1.6, appui au développement des milieux ruraux des municipalités. C'est la nouvelle politique de l'architecture et de l'aménagement du territoire qui a été dévoilée par le gouvernement le 6 juin 2022. Cette politique s'articule autour de quatre axes, des milieux de vie qui répondent aux besoins de la population, un aménagement qui préserve et met en valeur les milieux naturels et le territoire agricole, des communautés dynamiques et authentiques partout au Québec et un plus grand souci du territoire et de l'architecture dans l'action publique. Mais ce qu'on veut, c'est que... demander au gouvernement de reconnaître le statut particulier des municipalités rurales en regard de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire et aux objectifs de densification irréalistes hors du contexte des grands centres d'agglomération urbaine. Demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et celle d'Agriculture et Pêcher d'alléger le contrôle sur les possibilités de développement à l'extérieur des périmètres urbains. Parce que, comme nous autres, on veut se développer à l'extérieur de la villégiature, mais on est comme bloqué parce qu'ils disent « c'est pas un milieu urbain, là, il y a des beaux projets qui s'en viennent, qu'il faut se battre un peu pour pouvoir avoir l'autorisation au promoteur. » Nous autres, on est villégiature, on n'est pas dans le milieu de la Rome à Montréal ou des grandes villes. Fait que c'est ce qu'on leur demande aussi, puis on veut travailler aussi avec la CPTAQ pour qu'ils permettent aussi du développement. Là. Ils bloquent toutes les autres avec le territoire agricole. 200 pieds. Fait que là, c'est un appui qu'on fait. Là, ouais. Ben, c'est une résolution. Un projet de résolution qu'on envoie à la FQM pour qu'eux autres aient aussi puis au gouvernement pour lui dire là, nos préoccupations de ce côté-là. Proposable? Je propose. Secondaire? Secondaire. Ah ben là, t'en as... J'en ai deux, trois. Ah, c'est ce que tu veux. Le plus beau, c'est Claude. C'est Claude. 1.7 de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil, fait que vous devriez la remplir pour la remettre aux prochaines séances du conseil du mois de décembre. Épuration des archives municipales pour l'année 2015. Celle qu'on épure en 2015, c'est le... Merci. Ben, c'est le... C'est-tu les comptes? Ben, c'est ouais, les comptes en 2015? OK. Les comptes, les gardes 7 ans. OK. Jusqu'à après. 2015, c'est ça. Pour enlever la nouvelle, puis mettre les nouvelles. Faire la place. C'est bon. Après 7 ans, de toute façon, c'est bien. Il y a les comptes, il y a le choix. C'est bon. Alors, proposable? Je propose. OK. 1.9, l'épuration des archives municipales pour l'année 2020. Ça, c'est les autres correspondances. C'est bon. C'est bon. Proposable? Pour lui. Secondaire?
En 2, finances 2.1A, la prestation des comptes à payer du mois d'octobre 2022. Je les laisse les regarder si vous avez des questions. Channel Manager, le scanner, c'est le scanner pour développer les photos pour la couche par histoire et l'image. Il est installé à la bibliothèque. Un 17, c'est quoi, non? Chaîne de travail adapté, nettoyage des vitres. On prend toujours la chaîne CTA pour venir laver nos vitres ici en municipalité. À quoi ils sont hauts, un peu? Quelque chose, ils viennent avec un camion lisse, puis ils nous lavent toutes les vitres, moins d'une fois par année. La nacelle. Avec la nacelle. Puis, oui, j'ai vu. Ils sont venus tard cette année, ils avaient comme égaré notre conflit. Nom. C'est ça, fait que quand je les ai rappelés, là, il y a comme mieux vaut tard que jamais pareil, ça a fait du bien, puis ils vont être propres pour cet hiver. Là. Je vois, Laurier, faudrait que tu me dirais combien, quelle longueur qui te manque de quai, hein? Quelle longueur qui nous manque de quai, s'il te plaît, que je puisse le commander. Ça veut l'avoir au printemps. Je vais commander, hein, ouais, c'est ça, je t'avais justement dans mes notes. Je vais vérifier ça, là. Ouais, parce qu'on aura une minute, là, pour que je puisse... C'est de la plage, hein? Ouais, c'est de la plage, et puis il en manquerait un bout, là, fait que... on va le rallonger. Des questions en salle, là, sur les comptes? Ça va pour tout le monde, les autres aussi, à table? Ouais. C'est bon, repos? Okay. 2.1B, le certificat de disponibilité de crédit, M. Jean-Pierre. Fait ce signe à l'honorable directeur général et graphique de l'honorable certifié par la présidente du certificat de la disponibilité de l'habitat disponible de l'argent nécessaire pour payer les comptes. Merci. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 30 septembre 2022. On prend des feuilles de revenus. Les revenus de taxes, on a un budget de 1 872 000, on a 1 870 000 à rentrer, donc pratiquement 100% des taxes sont rentrées. Permettre d'avoir un lieu de taxes, on a un budget de 228 000, on a 234 000, donc 103%. Transfert de droit, on a un budget de 162, on a 162 000, donc tout est rentré. Transfert et entente, on a un budget de 226 000, on a déjà 293 000. 129%. Service rendu, on a un budget de 120 000, on a 228 000 de rentrée, donc 189%. Revenu total, 2 610 000 de budget, 2 788 000 de revenus, donc 107% de revenus fondamentaux. Les dépenses, en septembre, dépenses de fonctionnement, administration générale, 642 000 de budget, 522 000 de dépenses, 81% du budget. Sécurité publique, on a un budget de 254 000, on a 253 000 de dépenses, donc pratiquement 100% du budget. Réseau routier, on a un budget de 697 000, on a 399 000 de dépenses, donc 57%. Il y a des dépenses à venir. Hein? Oui, bien, le montant qu'on a donné, il n'est pas là, c'est parce que c'est fin septembre qu'on a payé en octobre. Ouais. Eau et égout, on a un budget de 250 000, on a 193 000 à dépenser, 77%. Service de collecte et de transport de faux sceptiques et des poubelles, on a un budget de 235 000, on a 295 000, 83% du budget. Santé et bien-être, un budget de 11 000, on a 4 000 à dépenser, 33%. Aménagement, urbanisme et développement, on a un budget de 151 000. On a 134 000 de dépenser, 89%. Loisirs et culture, on a un budget de 114 000, 74 000 de dépenser, 65%. Frais de financement, on a un budget de 30 400, on a 29 073, donc 96% du budget. Dépenses de fonctionnement, 2 395 000 de budget, 1 805 000 de dépenser, 75%. Capitalisation, on a un budget de 214 000, on a payé la capitalisation 214 000, donc 100% de payé. Budget total, 2 610 000. Dépenses totales, 2 020 000. Donc, on a 77% du budget de dépenser au 30 septembre 2022. Question. C'est quoi la clinique médicale? Ben, c'est l'argent qu'on donnait à la clinique médicale qui va maintenant en résidence.
Les prises de sang, les choses comme ça. On là, va puis, tirer les revoirs, les prises de sang, est-ce que vous travaillez de ce côté-là? Oui, oui, on travaille de ce côté-là. Hey, j'ai vu passer l'autre fois un courriel ou quelque chose qu'ils ils sont en train d'en regarder. Long. Là. C'est long. Mais le gouvernement et le ministère, c'est toujours long. Mais ils sont en train de. Faut que je pense. Vous avez bien fait, vous m'en faites passer. J'ai vu ce que j'ai vu passer. Prends une note parce que il me semble que j'ai vu passer un courriel. C'est un Félicien, ils l'ont eu parce que ouais, mais ici, on voulait s'organiser avec la pharmacie parce que la pharmacie est prête à nous. Ça a été une infirmière qui vient ici de demi-journée semaine, mais ils ne sont pas très ouverts à ça, le CIUS. Ils préfèrent garder les infirmières, mais je vais rappeler là, la personne responsable. Parce qu'il y avait une infirmière aussi qui aurait payé sa cotisation, elle est en retraite, là. Mais si elle payait sa cotisation, elle devrait venir. Oui, c'est ça, mais. Pas de main quand ça marche. C'est pas de main, ça nous autres, on essaie de régler ça facile, mais quand c'est trop facile, ça fait beaucoup. En tout cas, le bon conseil que vous travaillez de ce côté-là. Oui, 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 je l'avais avant que je parte en vacances, je l'avais contacté. Puis là, j'attendais que. Mais, fais-moi aller passer, je vais demain, là, je vais vérifier ça. J'allume, là, j'ai vu passer quelque chose, des fois, je le lis, puis je le mets pas de côté, puis je le oublie. Ouais. Fait que, Au niveau des offices municipales d'habitation, oui. Vous avez beaucoup de logements libres. Il y avait 4 logements de l'île, ben là, ça fait pas mal de pertes, ça. Les autres, ils me disent qu'il n'y en a pas de ville. Ben voyons donc, il y en a 4 qui sont libres. Hey, ça, je me bats et je les appelle souvent. Ils me disent que... parce qu'il faut que ça aille rénover le Miyagou au bout du jour. Hein? Puis, ben là, Réal n'est pas là ce soir pour Féréal qui siège à l'OMH. Ben oui. Quand je vous dis, je les appelle, j'ai encore un téléphone la semaine passée, quelqu'un voulait un logement. Puis, elle me dit, ils disent qu'ils n'en ont pas, moi, je les ai appelés. Voyons donc. Mais on est avec Robert Val maintenant. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus loin. Ouais. Fait que, je ne les lâche pas non plus, eux autres. Ça vous fait du déficit, vous autres, c'est sûr? Non, on ne le fait pas dans nos déficits. Ben là, écoute, si vous avez tant par mois que ça ne paye pas, vous avez 10%. Ouais, mais ils ne nous collectent pas. Ils avaient collecté à la fin de l'année, l'année passée. C'est pour ça que ça ne paraît pas cette année. Ouais. Il a fallu attendre de payer un. Parce qu'on l'a dit à Réal, puis devait s'informer, puis. Il a dit non, les logements c'est correct. Il y en avait deux, il y en avait 4 des personnes âgées. Deux familles, deux retraités. Deux familles, deux retraités. Deux retraités, ça je le savais, puis elle m'a dit il y en a un qui est supposé d'être loué, puis ils sont supposés de le rénover l'autre. J'ai dit quand il est propre, pourquoi attendre de rénover? Ils n'ont pas de contracteur. Ben, tu l'as tout, c'est compliqué. Ils sont pas si brisés que ça, nos logements. Non, mais souvent ils sont bien propres, puis. Mais pas plus que j'en dirai pas plus, ça, mais je les appelle régulièrement. Mais ils changent de directeur souvent, ils ont bien de la dire aussi que le. Ben, c'est pas. Oui, on s'est bien changé. Hein? Ben, c'est pas pour ça qu'on. C'est pas pour rien qu'on voulait pas s'en aller par là. Mais on n'a pas le choix, le gouvernement demandait choix, qu'on, se, choix, hein? qu'on se regroupe, mais les regroupements, on voit ce que ça donne. Mais, là, fait que c'est ça. Fait que, regarde, on va vivre avec, mais ceux-là, je les lâche pas non plus les autres. Oui. J'ai les ai parlé encore la semaine passée. Mais la personne qui se plaignait n'avait pas encore donné son nom. J'ai commencé par donner votre nom. Ben ça, ben là, au moins, j'aurais. Les autres n'avaient même pas entendu parler de cette personne-là. Mais là, c'est. Elle a commencé par s'inscrire. C'est parce que je vois toujours aux sources. Quand quelqu'un m'appelle et dit qu'il n'y a pas de logement, ils me disent j'appelle directement là-bas pour savoir ce qui se passe. Mais ils devraient se louer, ceux-là, qui m'ont dit. J'espère. Mais après, s'il y a quelque chose, je n'ai pas, je leur dirai, j'appellerai. Je vais me sauver, vous appelez. J'ai encore le cœur un peu, là. Ben, c'est ce qu'on dit. Ça me fait mal au cœur de voir ça vite, qu'il y a du monde qui en a besoin, là. Exactement. Puis, l'été passé, il me disait, ben, les logements-là sont pas peu en Cassandre à Saint-Édouard. Ben oui, mais quand quelqu'un est de la place, puis tous ses amis sont là, puis qu'il n'y a pas d'auto, penses-tu qu'elle va se renforcer? Même pas Robert Mal, oui, non. Ton monde était ça. On construit ça pour notre monde ici, pas pour les envoyer ailleurs. Des fois, ça fait nos affaires, ça freine nos affaires pour les envoyer ailleurs parce qu'eux vont avoir les revenus. On est plus capable de décider. C'est ça, c'est sûr qu'on va non, on ne décide plus rien, c'est un Robert. On a quelqu'un qui est représentant sur le CA, là, mais je ne sais pas comment ça fonctionne le CA, là, mais on ne décide plus grand-chose. Fait que c'est ça. Quand je vous dis ça. Vous pourriez aller à Robert Val ou là c'est lui qui peut faire un compte? Bon, oui, pour aller s'enregistrer qu'il y a à Robert Val au bureau, puis. Merci. Et ce dossier-là aussi, je le suis de près.
OK, là, on était rendu la liste. Non, À la bibliothèque. Approbation des prévisions budgétaires, bibliothèque municipale. T'avais pas une grosse augmentation, hein, Lucie, en regardant, puis le budget est pas mal comme l'année dernière. Ben, je pense que ça donne. Il y a 5023 puis 5042, fait que c'est même pas 125 d'augmentation. Mais c'est plus que ça. 23 973 l'année passée, puis cette année, 24 480 d'augmentation. Je pense qu'on va te l'accorder. D'accord, on va couper le salaire. Mais bon. Est-ce que tes membres sont septièmes ou c'est un membre? Non, c'est. Vous avez la statistique à la fin, là, si on regarde. Une petite. Pour acheter le matériel qu'ils ont besoin, puis toute l'équipe. Alors, le conseil a décidé de donner 250 $ pour préparer les activités, pour acheter le matériel, donner les cours après-faire. Le comité des arts. Le comité des arts. Quand même. Il va y avoir des cours, il prévoit des cours en fin de formation en tricot de base à l'approche pour prochain, une deuxième formation de savoir artisanaux, une formation en mix média. Il va y avoir un atelier de cueillette sauvage et confection de produits de base. Il y avait l'exposition là, cette semaine, puis l'exposition à l'Ermitage au mois de mai. À quoi qu'il prévoit, fait que pour les aider un petit peu dans toutes les activités. Oui. 2.5, la liste des comptes à recevoir au 31 octobre 2022, c'est surtout les comptes qu'on a qui sont. Les ventes pour taxes sont dans là pour un montant de. Ben, il y en a tout. Tout aussi, mais c'est surtout mais, ça. C'est pour préparer la liste. Pour les ventes pour taxes. Ouais. On a pour un montant de 251 295 et 37. Il y en a qui sont. Non échus, il y a 50 000, mais ils sont dans ça pareil. Échus un an, on en a pour 45 000. Échus deux ans, 640. Et échus trois ans, 660. Échus courant, 139 294. Ça, c'est proposé. C'est pas. Fait que là, avec ça, Edith, elle envoie des comptes, les avis au nom meilleur pour les dire de prendre une entente ou venir payer pour pas qu'on les mette février vente pour taxes. C'est bon. On annonce pour des fosses qu'on a construites, des saisonnières, pour des commerciales, il y en a un peu de toutes les sortes. En 2.6, l'instruction vente pour non-paiement de taxes 2021. Ça, c'est pour autoriser justement Edith à envoyer ses lettres. En cours. Oui. Pour 2021, les plus âgés. Ceux qui n'ont pas payé 2021, 2020 et. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en février, ça. Non, pas 21, 22, 21. 2022, 2021. 2023, 2022, parce qu'on les vend pas. Ouais. 2021 en descendant. C'est ça. De l'année passée. Branche de reconnaissance, on avait une petite demande. Là, ça, dans les religieuses, ils savent. Oui, on vous a informé parce que. Ouais. Elle n'a pas fait c'est plaisant, arriver à une fête, tout courant, coiffé, puis tout. Oui, oui, oui. À un moment donné, fait que, on peut en parler publiquement. Fait que là, il avait demandé un petit montant de 500 $. Il en a déjà fait faire quelque chose, faire respecter, tu comprends, puis que tu es au coup à peu près. De 250, fait que pour le reste, c'est 250 qu'on va leur donner à fabrique pour fleurs, chants, puis les petits cadeaux. Fait que c'est pour vos hommes. Pas bon. C'est bon. J'en dis pas trop, je vous avais dit. Non, c'est bien, ça. C'est pas sur ta mère. C'est peut-être des centaines. Le point 8, autorisation de paiement du décompte progressif du numéro 3 des entreprises Rosario Martel. On l'avait remis le mois passé parce qu'il y avait un petit litige qui a été. On a rencontré l'entrepreneur, on a rencontré M. Martel avec l'entrepreneur qui avait un litige. Notre ingénieur à la MRC pour régler la problématique, ça s'est réglé quand même à l'amiable, c'est pour cher de la municipalité. Puis l'entrepreneur prend en charge le reste des coûts qui s'en donnaient plus.
ça n'arrivait pas dans les quantités, dans les... Fait que là, on a ce soir un montant de 21 524,03 sous à payer et la retenue de 5% qui est de 31 113,31 plus les taxes applicables. Je peux vous dire que le contrat pour la route des Cluses va nous coûter un petit peu moins cher qu'avait été prévu. Pas une grosse baisse, mais quand même un petit peu moins cher. Beaucoup. 2.9. Renouvellement adhésion regroupant loisirs et sports. Regroupant loisirs et sports, un organisme qui distribue des subventions aussi pour les loisirs et sports. Maintenant, les jeunes sont allés chercher un montant pour ce qui est le parc là aussi. Fait qu'on, en étant membre de loisirs et sports, on est capable d'aller rechercher notre argent pour la cotisation, ça vaut la peine. Parce qu'il faut être membre pour aller déposer dans des projets. La cotisation est de 210 $ pour l'année. La on a une autre demande de commandite pour la Maison des jeunes pour l'Halloween. Comme je vous dis, ils sont tous en train de le monde a oublié. Un peu comme le Josée que j'ai fait penser que ça fait des enfants parce qu'elle avait oublié aussi. C'est à cause qu'elle fait trop beau, puis là, ça va. C'est pas aperçu que l'automne fait. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est pour son activité de fête d'Halloween. L'année passée, il avait donné un 300, fait que cette année, on va le même montant, 300 $. Je sais que c'est ça. Ils ont ramassé quand même les sous, puis oui. Les jeunes se sont impliqués beaucoup, puis je pense que. Tu peux pas penser tantôt qu'il faut que je te parle. On s'en va en urbanisme 9.1, demande de dérogation mineure 2022-02 du 114 rue Bouchard. C'est le demandeur, tu l'expliquer, es-tu correct? C'était pas long, mais Réal te l'avait expliqué. Moi, c'est que c'est ça le. Le propriétaire veut faire un garage qui va être plus haut que le bâtiment principal. Le bâtiment principal pardon, c'est une roulotte. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il y ait plus haut que la roulotte pour faire un garage. Puis dans le fond, du terrain, il n'y a pas de voies arrière, ça ne nuit pas à vision. Fait que le comité l'a accepté. Comme je vois aussi, il prévoit à un moment donné mettre une fondation sur sa roulotte, fait qu'elle va remonter, pour, ça va revenir au même. Ça va revenir au même, moi. C'est ça? Oui. Ça, j'avais pas le détail. Oui, ben je pense que je le vois là, l'avant-dernière ligne. Considérant que le demandeur prévoit de remplacer la fondation et par le fait même augmenter la hauteur, fait qu'il va se réégaliser comme ça. L'autre, c'était correct celle-là, Jean-Pierre? Oui, c'est fait. Demande au règlement PIA numéro 1822 portant le numéro 2022-06 du 191, rue principale. C'est la maison, M. Laval Couture qui veut bâtir sur le terrain vacant qu'on a à côté de M. Jean Bernier. Puis comme c'est dans le PIA, il faut que ça corresponde aux maisons qui alentourent. Mais ils ont regardé, il n'y a pas de maison pareille alentour, c'est un vieux quartier, ça. Fait que, mais la maison va ressembler quand même beaucoup à la maison qui est en face, la maison neuve qu'il y a là, qui est à Fatoutier. Fait qu'on a les plans aussi, fait que ils ont regardé ça, puis les membres du CCU, puis ça va respecter quand même, là. On essaie de garder les maisons neuves, que ça y est un peu pareil. Fait que c'est une petite maison qui se construit, M. Lavage, et que ça a été accepté par le pays, le CCU. Une recommandation du CCU d'accepter son projet. En variant, on avait racheté une photocopière. La photocopière a 5 ans. Et il a fait au-dessus de 700 000 copies. On en fait de la copie, hein, en 5 ans. On dessert les organismes, ne serait-ce qu'un info municipal, regarde tout ça qu'on fait, les documents. Fait que là, disons qu'ils commencent à avoir de l'usure, fait qu'ils nous proposent de l'échanger aux autres mégabureaux. Et le nouveau photocopieur coûte 11 500, mais on a... L'autre, madame. Il nous donne. C'est l'autre.
de Canon. Oui, 13 000. Ah, 11 000 avant la taxe pour. Ben oui. Ah, OK. Okay. Oui, d'accord. OK. Puis il nous rachète notre vieux pour. Il nous donne 2 600 $ pour notre vieux. Alors, on a un total de 12 130 plus taxes, mais les taxes, on les retourne pour 5 ans. Et ça va nous coûter moins cher en photocopie. Et ça va baisser le coût, là, parce qu'on a le service, puis on paye par photocopie, nous autres. Ça va être 0,007 cents pour le service en noir. Et la couleur, elle va être à 7 cents la feuille. Fait que, on va avoir une économie sur 5 ans de 5 228 quand même. Et on si on avait continué avec eux autres, ils nous feraient 10 cents de la copie. Ah oui, parce que là, le contrat service a été beaucoup cher là, en continuant avec eux autres. C'est pour ça qu'en changeant, on va avoir une économie. Puis, fait que c'est proposeur. Secondaire. Mais tu sais que tu es solidaire pareil, hein, tu as proposé ta. On est rendu à la période de questions, mais je vois ici qu'il y a le groupe Hermel Gauthier. Oui, exactement. Vous avez fait une demande, on a regardé un peu le conseil. Comme j'avais dit au père Michel qu'il va déposer sa demande, et ça bouge, là. Les religieuses partent, il va peut-être avoir des locaux pour la municipalité. Ici aussi, maintenant, on va descendre. Fait que pour faire vos rencontres, là, vu que votre local pour les rencontres va être. Vous pourrez venir ici faire vos rencontres. Là, non, vous allez prendre une date pour le site. Comme là, c'était durant la COVID, on a eu du stock, là, on a eu des tests, on a eu des sortes d'affaires là, à donner. Il faut serrer ça. Ça nous prend une place, on met aussi des classeurs, une table. Ça nous prendrait un bureau comme tel. Là. Ben, vous avez un bureau présentement. Mais non, tu regarderas qui se met là. Ben, Daniel était là. Moi, je n'étais pas capable de. Nous autres, on n'aimait pas faire nos réunions là. Ben, c'est pour ça que je vous dis, pour vos réunions, il n'y a pas de problème. Vous avez d'autres locaux ailleurs, comme là, vous alliez dans les locaux. Mais là, on allait à la municipalité. Oui, ouais, mais là, vous pouvez venir ici pour vos réunions, il n'y a pas de problème. Mais c'est un local ici qu'on peut mettre nos affaires. Ben, c'est parce que si vous mettez des affaires. Là, ben, c'est ici. Ça, nous autres, ça nous prend nos affaires sur vous. Et comme je vous dis, ça sent bien, là. On ne sait pas, les religieuses, qu'est-ce qui va arriver avec les locaux non plus. La commission scolaire ne nous a pas approchés. Quand on va avoir fini de rénover ici, il va y avoir des locaux en haut qui vont se vider. Fait que c'est pour ça que là, pour le moment. Parce que je trouve qu'on est un service le plus essentiel pour la Bouchette, là. Écoute, on a les repas, les transports, puis on n'a pas. On vous demande pas d'argent, on ne demande pas de rien. Mais comme je vous dis, là, ça risque de bouger. Fait que pas faire un move trop vite. On va attendre qu'est-ce qui va arriver là avec. Peut-être que la commission scolaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à faire avec le bâtiment des religieux. Ils nous ont pas approché, on ne sait pas. Mais tant qu'ils nous l'offrent, on pourrait vous loger là. Mm-hmm. Donc, mais nous autres, on aurait un. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, on va attendre là, qu'est-ce qui va. C'est pas difficile, là, mais c'est assez grand pour au moins faire nos réunions et avoir nos affaires là. Puis, les religieuses, ils quittent le 25 novembre. Ben, c'est ça. Fait que là, comme je vous dis, on ne le sait pas. Puis pour la commission scolaire, il faudrait qu'ils passent dans nos locaux pour aller là. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire là. Mais on attend, ils vont probablement nous proposer quelque chose. Fait que là, on verra. Là, ben, j'espère là, que vous ne nous oublierez pas. Ah, non, c'est ça. C'est ça que je disais à Père Michel, gars, ça risque de bouger. Fait que, pas faire un move par faire un move dans 2 mois, là, non plus. Fait qu'on va. On donne votre demande. On va voir, puis on va faire bien chaud. On va attendre, là, qu'est-ce qui va arriver avec la commission scolaire. Parce que ça serait un beau local, puis il y a de la place, peut-être. Oui, tu connais un autre, on aurait plus grand, parce que là, ça n'a aucun bon sens. C'est ça. Fait que, moi, je sais que c'est. Les autres salles, de côté, sont prises. Ils sont toutes prises, les autres salles. Les arts, oui, ben c'est ça, parce qu'on avait réservé pour les arts. Fait que, si on ne déshabillera pas un, pour habiller un autre, là, non plus. Fait que c'est pour ça qu'il faut. Moi, je parle pas, je vous écoute. Non, ben c'est ça. Après ça, je vais parler. Ces locaux-là, ça a été réservé pour les arts. Fait que. Ils vont les occuper, ils vont donner des cours, ils vont, parce que c'est, durant la pandémie, il n'y a rien d'eux non plus, les autres non plus, ils ne faisaient pas. Fait que ça va tout se replacer, là, mais ça risque de changer des choses. Vous allez voir que ça va. Si ça ne bouge pas avec la commission scolaire, ben, on regardera pour vous mettre quelque chose. Un beau grand bureau en haut, tu sais. Ben, quand on partira du auto aussi, c'est ça. Là. En haut, ça va rester des places aussi. Avec un ascenseur. Parce que, on va avoir un handicapé dans notre ascenseur. Pas pour les personnes longues aussi dans monter en haut. Ouais, en tout cas, regarde. Il pensait. C'est ça.
Il y aurait pas. C'est ça, dans le bon, on s'en sert. Fait que, quoi, mais on attend là, de voir comment ça va s'en bouger, là, puis on vous reviendra avec ça, mais on ne se plie pas. OK. D'accord. D'autres questions? C'est bon? Prochaine assemblée, là. Le 25 décembre. Le 5 décembre, puis le budget, il était. Quand est-ce qu'on a cédulé la date non plus, hein? D'habitude, le budget, il est venu à l'ensemble du 15 décembre. Ouais, 14-15 décembre. En tout cas, on le dira le 5 décembre, la prochaine assemblée, le 15 décembre.